Bonjour. Alors, Simone, nous avons une question pour vous. Alors, beaucoup d'études d'agences, il y a beaucoup de programmes communautaires. Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Merci beaucoup. Oui, alors, nous pouvons parler de plusieurs intervenants ici. Il y a beaucoup d'intervenants qui travaillent dans diverses sources. Pendant les derniers 6-7 mois, nous essayons de voir comment nous pouvons tous travailler ensemble pour mieux utiliser ces données, non seulement dans des stratégies à long terme, mais aussi dans des actions à temps, sur temps réel. Par exemple, nous avons eu 3 ateliers différents et donc nous essayons d'être sûrs que nous connaissons les outils les uns des autres et quand il y a un sondage, par exemple, qui a été fait par l'OMS, par l'UNICEF, pour l'Université de Florida, de Floride, etc., est-ce que nous assurons que tout le monde peut utiliser le même outil et les mêmes sources de données en temps réel pour l'action? Mais c'est aussi un des volets d'avoir ces données. Nous voyons davantage de cas. Il y a des domaines qui n'ont pas encore de EHA et des interventions. Enfin, ce sont donc ce que les données aussi nous aident parce que nous faisons des analyses sur une période de 10 jours et après nous présentons cela aux associations de jeunesse locale et bien sûr aux intervenants ministériels locaux pour réaliser des actions en temps réel comme au niveau communautaire. Nous partageons par exemple les informations sur comment renforcer la prise en charge de santé pour reconnaître s'il y a des zones ou des régions où, par exemple, les personnes ne savent pas que les soins de santé sont gratuits et donc nous pouvons changer de stratégie en temps réel pour répondre à cela. Notre mécanisme consiste à réunir tous les intervenants pour utiliser les données en temps réel et pour revenir sur les communautés afin de nous adapter aux interventions communautaire. Je travaille aussi, mais l'une des autres pratiques, c'est à nous assurer que les analyses, c'est nous assurer que toutes nos données soient disponibles en ligne par le biais du ministère ou des autres intervenants pour que tout le monde puisse y avoir accès et les utiliser afin de définir leurs différentes interventions. Merci.